Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je déjà première chose, je voulais remercier mes abonnés vraiment pour leur message de bienveillance, de gentillesse. Merci, merci, merci pour votre fidélité également. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvrent. Bon, bien sûr. La phrase traditionnelle, même si je n'aime pas trop le dire, likez, abonnez-vous, partagez, actionnez la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Et puis voilà. Bon, donc c'est tout. Alors, je continue les guidances pour le mois de septembre avec le signe des Capricornes. Ok. Alors c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Ok, parce que bon, des Capricornes, il y en a des millions, des milliers, des milliards, comme on dit. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ok, les amis? Alors, toujours pareil, l'oracle de l'énergie pour voir quelles énergies vont vous accompagner durant ce mois de septembre pour vous, les Capricornes. Et je continuerai, je vous montrerai au fur et à mesure les jeux. D'accord? Alors, on y va pour les Capricornes pour le mois de septembre. Ah ben voilà, ça veut. Eh ben voilà. Il veut parler. Alors, une, deux, trois. Allez, on y va. Les hostilités, c'est la fin des hostilités, mes amis. Waouh! Alors, c'est la fin des hostilités. Il y a le soleil et il y a la déesse de la lune à l'envers. Les hostilités à l'envers, bien évidemment, ça veut dire tout simplement que ça y est. Vous avez, parce que dans les précédents tirages, pour vous, les Capricornes, l'hostilité, elle était à l'endroit. Ça veut dire qu'en fait, vous étiez tout remué intérieurement, vous étiez en colère, vous aviez de la colère, vous aviez de la rancœur, vous aviez, voilà, vous savez, des peurs peut-être, ce genre de choses. En tout cas, vous étiez en guerre avec vous-même, ok? Et là, ça y est, c'est terminé, vous êtes apaisé, donc je pense que vous avez dû faire un travail sur vous. Mais en tout cas, les hostilités, c'est terminé. Vous aviez peut-être aussi, pour certaines personnes, des hostilités au niveau extérieur, avec des personnes, d'accord? Donc là, ça, c'est la fin. Ça y est, c'est terminé. Les hostilités, c'est fini. OK. Et vous avez quoi en carte centrale? Le soleil, mes amis. Magnifique. Alors attendez, j'essaye de me régler parce que c'est pas évident. Vous avez ce magnifique soleil. Alors, le soleil, c'est la lumière. C'est un nouveau départ. C'est vraiment ce qui réchauffe le cœur, en fait, d'accord? Vous êtes serein, vous êtes apaisé, au niveau émotionnel, parce que l'eau représente les émotions ici, d'accord? Vous voyez comme c'est calme, c'est vraiment, vous êtes apaisé, vous êtes lumineux, vous allez vers la lumière, c'est magnifique, d'accord? Par contre, ici, la déesse de la lune, c'est l'intuition, d'accord? C'est ce qui vous est révélé. Intérieurement, bien sûr, hein, je parle. Et là, elle est à l'envers. Donc, on vous demande vraiment d'analyser vos ressentis. D'accord? De pas être spontané, trop spontané. Garder une part à vous. Mais c'est pas. Comment dire ça? J'ai l'impression que. Mon ressenti, là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très impulsives et qui ne font pas assez. Attention à des situations aussi, d'accord? Parce que, voilà, des situations. Parce que la déesse de la lune, ici, c'est la clarté, d'accord? On voit clair dans une situation. Et du coup, on peut suivre notre intuition, puisqu'on n'est plus dans le mental. Mais là, vous êtes toujours dans le mental. Vous êtes trop dans le mental, d'accord? Et il faut en sortir du mental pour vous reconnecter à la lune et reconnecter à votre intuition, d'accord? Mais bon, vous avez quand même de belles cartes, hein? Vous avez la carte du soleil, c'est vraiment, en plus en carte centrale, c'est magnifique, hein? D'accord? Vous avez encore un petit effort à faire à sortir du mental, d'accord? C'est très important. Pour être vraiment dans la lignée, vraiment réaligné en fait. Ok?
Allez, on y va avec mon nouveau jeu que j'adore. C'est celui-ci, l'oracle des esprits protecteurs, guide, guerrier, ange et chaman. Il est juste magnifique ce jeu. Je l'adore. Alors, on va voir un peu ce que l'on va vous dire pour vous, les Capricornes. Alors, je vais faire un tirage à 6 cartes. Et s'il faut un complément, j'en tirerai 3 supplémentaires. Ok? Allez, on va voir. Pour vous, mes amis Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Cette guidance, en fait, c'est. J'essaye de donner vraiment ce qui me vient, d'accord? Les grandes lignes, mais bien sûr, chaque personne, vous l'adaptez à votre situation si ça vous parle. D'accord? Allez. Parce que je ne peux pas tout énumérer, sinon la vidéo, elle ferait 2 heures. Hop. Alors, voilà. Une, deux. Donc, 6 cartes, hein, les amis. Capricorne, s'il vous plaît. Elles ont sauté, donc je les prends. Allez, on va voir pour vous, mes amis Capricorne, ce que l'on vous donne comme message en 6 cartes. J'ai bien réglé là, vous les voyez bien, c'est génial. Waouh, en dos de deck, j'ai. Regardez. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir, les amis. D'accord? Allez, on va voir. Waouh, ciel, père. Et respectez vos besoins, et oui. Alors, ici, j'ai ciel, père. C'est magnifique. Ayez confiance en l'inconnu, les amis. Ayez confiance en l'inconnu. Je pense qu'il y a, comme je vous disais, vous voyez les hostilités, c'est la fin, mais comme je vous disais, il y a peut-être des personnes ici qui veulent se lancer. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous voulez vous lancer, créer votre entreprise, ou si c'est au niveau professionnel, vous avez envie de créer votre entreprise, par exemple, mais vous avez peur, en fait. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'osez pas franchir ce pas. Et là, on vous dit, avec cette carte, ayez, d'où les hostilités, c'est la fin. De toute façon, vous allez voir le soleil. Donc, là, on vous dit d'avoir confiance en l'inconnu. Ayez confiance, ayez plus confiance en l'univers. D'ailleurs, regardez, vous avez le grand maître qui vous accompagne. Apprenez de vos expériences spirituelles. Ok? Connectez-vous vraiment à votre âme, connectez-vous à votre ange gardien, demandez de l'aide à l'univers, à la source, à ce qui vous parle en fait, pour vous, pour vous aider en fait à franchir ce cap. D'accord? Ici, vous avez la carte de l'hiver. Ici, on vous demande de respecter vos besoins. Ok? Respectez vos besoins, cela veut dire tout simplement de pas aller au-delà de ce que vous pouvez faire, de ce que vous avez besoin, de ce que vous désirez. D'accord? On vous demande de rester aligné en fait. Restez aligné avec vous-même. Ok? C'est très important de rester aligné avec vous-même pour pouvoir franchir ce cap de l'inconnu et aller vers le soleil. Ok? Gardienne de la paix, les amis. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Oui, et deux fois oui. Vous êtes des personnes qui sont très, encore une fois, assez impulsives, vous êtes réfléchies, mais assez impulsives. Et en fait, d'avoir toujours raison. Comment dire ça? C'est comme si vous ne supportiez pas d'avoir tort. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans le mental. Vous analysez tout pour pouvoir rebondir par rapport à des situations. D'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez avoir raison sur une situation, avoir raison sur des propos, avoir raison dans une discussion, par exemple, ou voilà, ce genre de choses. Avoir raison par rapport à un projet dans votre avenir. Voyez ce genre de choses. Là, on vous dit de vous libérer de ça. Libérer de ça. Voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la déesse de la lune est sortie à l'envers. Parce que vous êtes trop dans le mental, vous réfléchissez trop. Et vous êtes trop
Rigide, c'est un grand mot. C'est pas rigide, c'est pas le terme. Mais voilà, vous libérez-vous de ça. Soyez un peu plus fluide dans vos réactions et dans votre façon de voir les choses, de voir la vie tout simplement. D'accord? Ici, voilà, vous voyez, ça correspond avec la carte de grand maître ici. Vous avez votre ange gardien avec vous. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc, pour franchir cet inconnu-là, hein, que vous avez envie, en fait, vous avez envie de passer un cap, faites appel, encore une fois, ayez confiance à l'univers, d'accord? Et surtout, faites appel à votre ange gardien. Il est avec vous. Ok? C'est ce qu'on me dit ici. Et enfin, voilà. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Vous savez, vous êtes le seul à savoir, le seul ou la seule, pardon, à savoir de quoi vous avez besoin réellement pour être heureux. Ok? Donc, on vous demande ici de vous respecter intérieurement. De vous respecter vous, et pas de pas aller vers des chemins qui ne vous correspondent pas, en fait. D'accord? On vous dit ici, hein, vous l'avez en dos de deck, prenez le temps de réfléchir, d'analyser. Ok? On vous demande aussi, derrière, ayez confiance. Ayez confiance, vous avez la force du cerf ici. Ayez confiance et prospérez. D'accord? Et enfin, on vous demande aussi de garder les pieds sur terre. Alors, je ne vais pas toutes les faire, hein, mais voilà. Vous avez de très très belles cartes. Très belles cartes. Magnifique. Donc, là, vraiment, sortez du mental, d'accord? Arrêtez de toujours avoir raison, de toujours vouloir avoir raison, parce que le mental force, c'est l'ego en fait qui force. Si vous n'êtes pas confiant dans une situation, que vous avez des peurs, des craintes, voilà, ce genre de choses, faites appel à votre ange gardien, il est là pour vous aider, il va vous envoyer la solution, il va vous envoyer la clé, d'accord? C'est très important. Et reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à votre intérieur. Ok? À ce que vous désirez vous. Bon. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il nous raconte notre ami le Béline. Pour vous, les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Pour le mois de septembre. Oups. Alors, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Vous voyez, vous êtes en guerre avec vous-même ici. Vous avez. Le feu, c'est les hostilités, en fait. Hein. Le feu, c'est des conflits intérieurs pour moi ici. C'est vraiment des conflits intérieurs. Pourquoi? Parce que vous avez des craintes et des peurs encore que vous n'arrivez pas à surmonter. Peur de franchir encore une fois un nouveau cap, un nouveau, voyez, une nouvelle direction. Vous avez peur de vous planter, par exemple. Hein, c'est un exemple, mais ça peut être pareil dans le sentimental, dans le relationnel, dans l'amitié. Vous voyez? Vous adaptez, mais c'est ce que je ressens très fortement. Donc, apaisez-vous, apaisez-vous. Vous seul savez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez pour vous, pour vous-même. Ok? Alors, on va voir les Capricornes. Voyez, la passion, magnifique. Et la solution, et la clé. Alors, vous êtes un passionné, ça c'est sûr. Au niveau sentimental, vous êtes un gros passionné. Vous avez la clé, la destinée ici. Bon, ça prend du retard, bien sûr, mais la roue tourne. On vous dit ici que la roue tourne. Vous avez enfin la clé pour ouvrir toutes les portes, mes amis. Mais la carte de la passion ici, on vous dit, voyez, on vous demande de réagir avec intelligence. Pourquoi? Parce que c'est une carte un peu de mise en garde. Parce que quand on est passionné, on est fougueux. Donc, on fonce. On fonce, voilà. On est. Voyez ce que je veux dire? Donc, mais avec la carte de l'intelligence, on vous dit, oh, ralentissez, prenez le temps de réfléchir. Encore une fois, prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, voilà, de pas foncer droit. Tête baissée, d'accord? La solution, vous l'avez, la clé, elle ouvre toutes les portes, mais on vous demande quand même de rester les pieds sur terre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure.
de réagir avec intelligence, d'accord? Et si vous êtes dans une situation un peu bloquée, faites appel à votre ange gardien. Il est là pour vous aider. Allez. Alors, pour mes amis Capricorne, on va prendre cinq cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Waouh, les honneurs, les amis. Vous avez les honneurs dans une situation ici. Alors, on va voir, on va développer les plaisirs, la stérilité, la découverte, oh, la trahison et le procès. D'accord. Alors ici, pour moi, il y a des personnes qui peut-être... Alors, vous vous sentez bloqué parce que j'ai la carte de la stérilité ici. Vous vous sentez bloqué ici par rapport peut-être à une trahison que vous avez subie ou que vous êtes en train de subir, ou un sentiment de trahison, d'accord? Mais peut-être lié à des documents, à des papiers administratifs, ok? Il y a une découverte ici qui va être faite par rapport à ça. Il y a une découverte. Vous allez découvrir quelque chose qui peut-être ne vous correspond pas finalement, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose, il y a une situation ici qui vous bloque par rapport au plaisir. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'arrivez plus, vous, peut-être c'est financier, hein, mais les plaisirs, c'est tout ce qui touche aux sorties, à un bien-être quelque part aussi, hein, à un bien-être, à une vie sereine, à une vie épanouie. D'accord? Et vous, j'ai l'impression que vous êtes bloqué parce qu'émotionnellement, il y a des choses, il y a des hauts débats, quoi, vous voyez? Et je pense que, alors, soit c'est lié effectivement à un procès, une attente d'un procès, quelque chose, une séparation, tout ce qui est officiel ici, tout ce qui est officiel, d'accord? Lié à une trahison ou un sentiment de trahison. De toute façon, il y a une découverte ici qui arrive. Vous allez découvrir quelque chose. Alors peut-être que vous allez découvrir cette trahison, ok, sur un document ou lors d'un procès, hein, effectivement, ou lors d'une séparation, un divorce, quelque chose comme ça. En tout cas, ça me parle. Bon, vous me direz en commentaire, hein. C'est un peu mon ressenti ici. Alors, on va couvrir, on va voir. On va voir, allez. Capricorne. Vous voyez, il y a la carte ici, la roue tourne. Hein. Vous avez l'impression d'être toujours bloqué, mais voyez la carte, elle se, je ne sais pas si vous la voyez bien. La carte, voyez la roue, elle commence à sortir. Les blocages commencent à se lever, on va dire. Alors, l'héritage, l'appui, l'amitié, des nouvelles, et on coupe ici. Alors, les amis, ici, j'ai l'héritage sur les plaisirs. Il y a quelque chose qui est en vous depuis longtemps, d'accord? Alors, l'héritage, bien sûr, ça peut parler d'héritage, voilà. Mais là, dans ce cas de figure ici, non. Ça me parle de, encore une fois, de documents. Il y a la fin de quelque chose ici qui est là depuis longtemps. Au niveau des plaisirs, c'est comme si vous aviez, vous êtes animé par quelque chose, vous avez envie de comment dire ça? De retrouver cette joie de vivre, de retrouver des sorties que vous aviez enfouies, d'accord? Depuis un certain temps, par rapport peut-être par rapport à une situation financière un peu compliquée, vous voyez? Donc là, il y a des blocages ici, vous tournez en rond. Mais là, on arrive à la fin, c'est la fin ici, hein, d'accord? Alors, c'est lié peut-être aussi à des documents, à des contrats, à des documents administratifs, à des choses... Vous voyez, encore une fois, hein, des choses, des documents officiels, une situation officielle. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est la fin. Vous arrivez au bout, là. Vous arrivez au bout. Et pourquoi? Parce que vous avez l'aide. Alors, vous pouvez avoir l'aide, évidemment,
divine, bien sûr, hein, l'appui. Vous pouvez avoir l'aide, encore une fois, parce que j'ai le procès, ça peut être quelqu'un d'officiel, avocat, notaire, juge, bon, vous voyez ce que je veux dire, ou l'appui d'une tierce personne. Pour moi, c'est l'appui d'une amie ou d'une connaissance, quelqu'un de votre entourage ici. Ok? Il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous aider à retrouver, peut-être, ben, je sais pas, sortir d'une situation qui était un peu bloquée pour vous. D'accord? En tout cas, voilà. Il y a la découverte et son ami. Alors, moi, je pense qu'effectivement, avec la carte de la découverte, cet ami-là, cette personne de l'entourage va vous permettre, en fait, par rapport à, je ne sais pas, à des nouvelles ou vous adapter par rapport à son aide, en tout cas, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir et retrouver ses plaisirs que vous aviez peut-être perdus depuis un certain temps. D'accord? En tout cas, ici, vous avez ce sentiment de trahison, de peut-être de peur de trahir quelqu'un aussi, hein, une personne ou des personnes, en tout cas, par rapport à une fin. Il y a la fin de quelque chose ici, au niveau administratif. D'accord? Vous mettez fin à quelque chose d'administratif par rapport à des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Et du coup, vous avez cette peur de trahir. Peut-être que voilà, ben, le fait de couper au niveau administratif et officiel une situation par rapport à ces nouvelles. Et voilà, parce qu'il y a l'appui, l'amitié et les nouvelles. Donc c'est des nouvelles d'une tierce personne hein, ici. Hein. Vous allez peut-être recevoir une proposition au niveau professionnel, par exemple. Ok, vous allez peut-être pouvoir financièrement, peut-être que cette personne aussi, si vous avez un souci financier, elle va vous aider, elle va faire un prêt pour vous. Vous voyez ce genre de choses. En tout cas, au niveau administratif, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Vous avez l'impression de trahir. Je ne sais pas, votre collègue de travail, votre hiérarchie, votre entourage, voyez. Mais ça s'arrête par rapport à des nouvelles qui arrivent ici. Ok? Bon, on va voir, hein, on va développer. Après, dans un autre schéma, encore une fois, l'aide ici, c'est peut-être que par l'intermédiaire d'une personne de votre entourage, d'un ami ou d'une personne vraiment proche de vous, on vous a orienté vers un avocat, par exemple, ou un notaire, si c'est un problème immobilier, par exemple. Mais en tout cas, ce procès-là, ici, vous allez avoir des nouvelles. Donc, ce procès, ici, ce jugement, en fait, où ces documents administratifs officiels mettent fin à une situation. Voilà. Qui est en votre faveur. D'accord? Allez, on va couvrir encore une fois ici. Capricorne. Encore une fois, hein, ça rejoint la carte ici de prendre ce qui vous correspond à vous. Ok? Regardez. En dos de deck, j'ai l'argent. Donc l'abondance, l'abondance financière, l'abondance intérieure. Mais là, ça me parle d'argent. Il y a une rentrée d'argent ici. Il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui prend fin, hein, les amis. Waouh, vous avez la plus belle carte du jeu. C'est juste magnifique. Voyez l'infortune, l'union et l'inconstance. Ici, ouais, pour moi, ça me parle peut-être au niveau professionnel. Ce procès-là, cette situation de couper par rapport, vous avez un mal-être parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez l'impression de trahir, d'accord? Mais vous savez, l'union, ça peut correspondre aussi à un groupe de travail, des collègues de travail, une entreprise où il y a beaucoup de personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin ici. Il y a un nouveau départ pour vous, hein, les amis, hein, vraiment. Hein. Vous sortez d'une situation qui dure depuis un certain temps. Ici, le blocage s'est terminé. Vous avez l'aide divine d'un défunt, mais ça peut être l'aide aussi d'un ami, d'accord? Mais en tout cas, c'est en votre faveur ici. Et vous voyez, vous tournez le dos au passé et vous avancez vers l'avenir. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il faut juste vous faire confiance à votre ange gardien. D'accord? Mais voilà, c'est un très beau tirage. Ça peut parler aussi pour les personnes qui sont les couples qui sont en instance de divorce, d'accord, suite à une trahison.
Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Ça vous avait, voilà, ça vous crée un peu d'instabilité. Mais voilà, cette nouvelle qui arrive au niveau de ce jugement-là, de procès, ça met fin. En fait, définitivement, ça va vous bouleverser certainement. Mais en tout cas, voilà, ça met fin. Et c'est encore une fois en votre faveur. C'est de belles choses. Les cartes bleues, c'est la carte de la chance, la carte de la réussite. Vous voyez? Et c'est le oui à votre question. Ok, donc c'est très bénéfique pour vous. C'est magnifique. Voilà les amis, on va terminer avec un petit message de nos amis les fées. Voir un peu ce qu'elles ont comme message conseil éventuellement à vous donner, à vous transmettre. Voilà. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Vous avez un tirage magnifique. N'oubliez pas que vous allez vers le soleil, là. Il y a quelque chose de lumineux pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Ouais, vous voyez, je le savais, je le sentais. C'est ce que ça me parle depuis tout à l'heure, le niveau professionnel, ça me parle beaucoup, très fortement. Donc, ouais, pour des personnes, il y a vraiment un changement de direction au niveau professionnel. Là, je le vois, je le ressens très fort et en plus, la carte, elle est sortie. Voilà les amis, nous avons vœu exaucé, elle est très belle cette carte, vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité mes amis. Et oui, nous avons la carte bleue, ça ne m'étonne pas. Donc peu importe dans le domaine, quel domaine, mais en tout cas si c'est au niveau professionnel, hein, parce que j'ai la carte de la nouvelle carrière qui est sortie aussi. En tout cas au niveau professionnel, ce que vous désirez est à vous, arrive à vous, d'accord? Donc la nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Vous allez vers le soleil en changeant de travail, en changeant de métier, en mettant vos, si vous avez envie de vous mettre à votre compte ou ce genre de choses. En tout cas, il y a une nouvelle carrière qui arrive à vous et ça va être très bénéfique pour vous. Très bénéfique pour vous. Maître spirituel, elle sort sans arrêt cette carte. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors ici, cette carte, pour moi, elle me parle, bon, elle est vraiment très spirituelle, hein, bien sûr. Mais pour moi, vu que on est dans le professionnel, elle me parle plus d'un poste à responsabilité. Vous voyez, vous êtes assis et vous avez du monde autour de vous qui vous écoute. Donc, un poste de dirigeant, vous voyez, un poste à responsabilité où vous devez mener... la barque avec des personnes dirigées. Voilà, tout simplement. Ok? En tout cas, c'est un très beau tirage, mes amis. C'est vraiment un très, très beau tirage, très positif. Donc, restez connectés à vous-même. Hein? Et n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien. Il est là pour vous. Ok? Voilà, les amis. Donc, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. En tout cas, au niveau professionnel, hein, vous avez... Alors, je vais vous dire, il y a une rentrée d'argent. Donc, la rentrée d'argent, si vous avez un poste à responsabilité, c'est une augmentation, évidemment, de salaire. C'est, voilà, c'est une rentrée d'argent. Et en plus, vous avez le bonheur derrière. C'est juste magnifique. Voilà, donc je continue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous parle. Likez, partagez, abonnez-vous, bien sûr. Et puis, moi, je vous retrouve pour... Alors, soit sur mes lives, hein, parce que je vais refaire un live la semaine prochaine. Vous aurez le sujet dans la communauté. Je fais aussi les guidances privées, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez l'adresse sous la vidéo pour avoir des renseignements ou prendre un rendez-vous. Et puis voilà, moi je vous souhaite une agréable journée. De bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances. Et puis je vous fais de gros bisous.